Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo partenariat avec la boutique Inlovearts. Voilà, ils m'ont proposé de faire un partenariat, donc une vidéo avec leurs produits que donc j'ai accepté bien sûr. Donc ils m'ont demandé de choisir des produits de leur boutique. Chose que j'ai faite, voilà. Puisque de toute façon ce qu'ils vendent dans leur boutique ce sont des choses dont je me sers, puisqu'ils vendent des dies, des tampons, des pochoirs, beaucoup de choses qui servent au scrapbooking, voilà, et à la carterie. Et donc j'ai fait mon petit choix, voilà, et j'ai trouvé, bon, il y avait quand même pas mal de choses qui me plaisaient, mais bon, j'étais quand même, je ne pouvais pas prendre tout ce qui me plaisait, puisque j'étais quand même limitée. Mais bon, voilà, j'ai quand même trouvé des choses intéressantes. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Voilà. Donc, déjà d'avance, je vais vous dire, vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique, déjà en premier. Vous retrouverez également le lien de chaque article que j'ai choisi et vous retrouverez un code promo qui vous permettra de bénéficier de 15% de remise sur votre commande si vous allez commander sur leur boutique, ce qui n'est pas négligeable. C'est toujours bon à prendre, hein, une petite remise par les temps qui courent. Voilà. Pardon. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai choisi et ensuite, à la suite de la vidéo, je ferai une carte. Voilà, je ferai d'autres vidéos parce que je ne vais pas pouvoir faire plusieurs cartes sur la même vidéo, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc je referai d'autres vidéos avec ce que, le matériel que j'ai choisi, voilà, pour vous montrer ce que ça donne. Mais aujourd'hui, je ferai déjà une carte... J'ai un chat dans la gorge. Je ferai déjà une carte pour vous montrer comment la qualité du matériel. Voilà. Et je ferai d'autres vidéos avec, avec ces dies et tampons que j'ai choisis. Voilà. Alors, je vais déjà vous montrer ce que j'ai choisi. Alors, j'ai pris des dies en premier. Alors, j'ai choisi 1, 2, 3, 4, 5... 5 dies. Ah, attendez, il manque un truc. Voilà, j'ai reçu donc dans une enveloppe, je vous montre par l'autre côté parce qu'il y a mon, il y a mon adresse, dans une enveloppe à bulles. Nickel, hein. J'ai mis, pour recevoir, un petit peu plus de 15 jours, ça va, voilà. Bon, en sachant qu'en ce moment, le courrier est, est encore un peu lent. Mais j'ai mis une quinzaine de jours pour recevoir le paquet. Donc ça va, c'est encore raisonnable. Alors, donc j'ai pris une plaque à embosser, un pochoir, un tampon et j'ai pris 5 dies. Voilà. Donc je vous montre d'abord les dies que j'ai choisis. Donc je vais les déballer, ce sera mieux pour voir. Parce que dans le plastique ça va briller. Alors, j'ai pris un lot d'alphabet. Alors, je vais prendre une feuille. Où est-ce que j'ai des feuilles? Hop, on va prendre une rouge, hein, c'est rien. Hop. Voilà. Un lot d'alphabet. Voilà. Et par rapport à mon doigt, la grandeur des lettres. Ça, j'en avais pas. J'avais les chiffres déjà, mais j'avais pas les lettres. Je suis en train de m'en... voir que je vous les montre à l'envers. Voilà, donc ça c'est... Hop, et dans l'autre sens, ça fait ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris... Alors, je vais l'enlever. Alors oui, vous allez me dire, je vais encore devoir faire un tableau pour ranger mes dies. J'ai pris ces deux bannières. Voilà, je les ai trouvés jolis avec le tour ici. Donc, il y a une petite et une grande. Elles sont liées, hein, vous voyez. Donc, vous pouvez les détacher. Hein. Il y a un petit truc là entre les deux pour les détacher. Ensuite, une autre bannière comme ceci. Voilà, j'ai trouvé très jolie celle-là. Voilà. Ça. Alors, ceci. Voilà. Ça, c'est pour faire des petites pochettes. Voilà. Donc, on fera peut-être une carte avec celle-ci déjà aujourd'hui. Et puis, une bannière, je pense. On va voir. Voilà. Donc, vous coupez comme ça. Et après, vous repliez. On verra tout à l'heure. Ensuite... un grand dies pour faire un fond de carte. Voilà. Ça, j'aime bien les grands dies comme ça. Pour faire des fonds de carte, c'est joli. Voilà, tout fleuri. Avec des arabesques. Je vais jeter les plastiques au fur et à mesure. Voilà. Donc, pour les dies, c'est tout. Le tampon, alors j'ai choisi un tampon de fond, voilà, tout fleuri aussi, voilà, plein de fleurs. En tampon, c'est le seul que j'ai pris, pardon. Alors, le classeur d'embossage. Pour les anniversaires. Voilà. Avec les Happy Birthday. Voilà. Donc, vous voyez, il est bien imprimé là, hein, là aussi. Faire une jolie carte d'anniversaire. Et pour terminer... j'ai choisi un pochoir. Alors, je vais mettre aussi sur la feuille rouge pour que vous voyez bien. Voilà, un pochoir comme ceci. Avec plein de petits ronds. Voilà. Pour faire à la peinture, pour faire à la pâte structurée, à l'encre aussi. Voilà. Donc, le pochoir, bon, est très souple, hein, quand même. Mais, voyez. Donc, voilà ce que j'ai choisi. Donc, bon, déjà, ça m'a l'air pas mal. Bon, la qualité a l'air bien. J'ai pas l'impression qu'il y ait de soucis particuliers. Donc là, maintenant, je vais faire une carte. Alors, je vous ai dit, je vais utiliser ça. Je pense que je vais utiliser une des bannières. Celle-ci ou celle-ci, je vais voir. Et peut-être le classeur d'embossage aujourd'hui. Voilà, pour faire une carte. Je vais voir. Voilà. Et on refera d'autres cartes par la suite sur d'autres vidéos. Avec le pochoir. Là, je voudrais faire avec le pochoir aussi sur d'autres vidéos. Je verrai ce que je ferai lors d'une prochaine vidéo. Voilà. Et de toute façon, n'hésitez pas à me dire en commentaire, par exemple, aussi, ce que vous avez envie de voir avec justement avec ce matériel, ce que vous avez envie que je fasse, que je fasse. Je sais plus. Quel genre de carte que vous voulez en tuto, voilà, pour vous montrer. Hein? Allez, je vais changer la caméra et puis on attaque. À tout de suite. Alors, voilà. J'ai choisi des tons bleus pour la carte. Alors, je vais prendre une petite, comme ceci. Voilà, c'est les petites 10-14 hein, à peu près. C'est les cartes irisées Action. Alors, celle-là, elle fait... 8 sur 10, 3, 10, 2, oui, 10, 3. Voilà. Je vais lui mettre un fond que je vais embosser. Donc, avec le classeur d'embossage Happy Birthday. Voilà, j'ai pris en blanc. On va voir ce que ça donne. Donc, lui, je l'ai déjà coupé. Pour gagner un petit peu de temps. Donc, il est coupé à 9,8 sur 14,4. Voilà. Donc, on va d'abord l'embosser. Je cherche dans quel sens. Oui, voilà. Dans ma petite Big Shot et on roule. Et je vous fais bouger comme d'habitude quand je m'utilise la Big Shot. Hop là. Super. Je vais la remettre dans le bon sens tout de suite. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Impeccable. L'embossage est superbe. Donc ça, c'est validé. Donc ça, on va venir le mettre ici. Voilà. Alors, je vais prendre mon double face. Voilà. Alors, on va mettre de côté pour l'instant. Alors, je vais regarder si... Ah non, il me faut un papier plus grand. Mince. Donc ça, ça va pas aller. Je voyais, je voulais mettre ça pour faire la pochette, mais c'est pas assez grand. Vous voyez? Bon, bah du coup, j'oublie ça pour l'instant. Et il me faut donc un autre papier. Alors, je vais prendre autre chose. Je vais prendre du cardstock. Je vais choisir un cardstock. Un bleu comme ça. C'est pas grave. Dans ce sens-là, ça va. Donc, du coup, je vais en couper. Voilà, donc on va prendre celui-là. Hein. On va mettre un petit bout de washi pour pas que ça bouge. Et on y va. Dans la Big Shot. Donc, on va voir ce que ça donne. Hop là. Je vais repasser une fois. Voilà, je pense que ça doit aller. Ma petite brosse. Voilà. Donc voilà la petite pochette. Et on a les petites. Alors je vais vous montrer. Voilà. Les petits pointillés. Là où il faut plier. Donc on va suivre les petits pointillés. Donc là, je vais mettre de la colle parce que j'ai pas de double face trop plus aussi fin. Donc voilà ma petite pochette, toute mignonne. Donc la pochette, le dice pochette validé. Donc ça, on va le mettre là. Alors, est-ce que je mets avec du gros ou du fin? Non, je vais mettre avec du fin. On va mettre au milieu. Voilà. J'ai mis bien droit, oui. Alors, je vais prendre un de mes dies. Oui, celui-là. Est-ce que j'ai encore un petit bout de blanc? Oui. Donc on va se couper un petit bout, un petit tag blanc. Voilà. Alors, j'avais. Mais j'ai mis où? Oh là là, c'est galère. J'avais une petite perfo que j'ai rangée. Ah, la voilà. La voilà, la coquine. Voilà. Et je vais mettre un petit bout de ficelle. On va mettre ça. Hop. Ah, j'ai la tremblote. Voilà, on va recouper un peu, c'est un peu long. Et ça, hop, on va le glisser. Ici, voilà, pour faire un petit message. Donc, excusez-moi. Donc, on va mettre une petite bannière. Alors, du coup, non, ça va peut-être pas aller, ceux-là. Ceux-là, je vais les utiliser sur une autre carte. Je vais utiliser une des miennes de bannière. Ou alors, j'ai peut-être quelque chose. Alors. Je ne sais plus si j'ai des bonnes fêtes papa. J'ai des bienvenus bébés, j'ai... Bon, Noël, c'est plus le moment, c'est pas le moment pour l'instant. Voilà que je les classe aussi, ça, parce que je suis toujours en train de chercher. Ah mince alors, j'avais les joyeux anniversaires. Où ils sont passés? Bon, j'en ai là. On va mettre cela. Hein. J'en avais un paquet d'entamés, mais bon, je trouve pas. Ça fait rien. Je vais entamer une nouvelle plaque. Vous voyez, c'est cela. Enfin, que je trouve une idée de classement pour ça. Alors, voilà. Et là, on va le faire dans le papier, ben, dans le papier brillant, justement. Oups, il y en a. Et là, on le mettra en 3D. Voilà. Donc ça, c'est un die à moi. Hein. Donc on va faire, on va marquer joyeux anniversaire dessus. Ah, c'est pas vrai. J'ai deux mains gauches aujourd'hui, hein, vous avez remarqué. Quand ça veut pas, ça veut pas. J'ai l'impression que ça sent la cuisine. Je crois que Chouchou est en train de faire à manger. Ça sent bon. Ah oui, ça sent la cuisine. Miam, miam, miam. Je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais ça sent bon. Alors, je vous dis que j'ai deux mains gauches aujourd'hui. Ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Bon, il ne veut pas se mettre droit. Allez, on commence, hein, quand ça ne veut pas. suis sûre que vous êtes en train de rigoler derrière votre écran. Voilà. Non mais, quel chef ici. Voilà. Donc là, on va mettre du 3D. Purée, c'est pas possible. Mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Je vais me recoucher. Hein. Voilà. Non mais. Et là, hop. Voilà. On va mettre deux petites perles ici. Et voilà. Donc là, on pourra mettre un petit message. Voilà. Je vais remettre. Si elles veulent bien se décoller, les chippies. Voilà. Stop, on arrête. Donc voilà. Donc ben là, pour l'instant, je valide tout. Hein. Le dies pochette, l'embossage. Donc on fera d'autres cartes avec les autres dies, le pochoir et aussi le tampon. Donc voilà. Bah, dites-moi déjà ce que vous en pensez hein, de celle-ci. Donc là, le petit message dans cette petite pochette. Moi, je la trouve... Bon, elle est simple, efficace. Voilà. Allez, je vais vous faire un gros bisou. Voilà. Alors, je disais, je vous fais un gros bisou. Donc, voilà la carte. Comme je disais, elle est simple, mais efficace. Voilà. Donc là, elle peut aller pour une fille ou pour un garçon. Hein. Pour un garçon, on peut peut-être enlever les perles et à la place, dans ce cas-là, on peut mettre des brades. C'est un peu moins brillant. Voilà. Donc là, ici... Le petit message qu'on peut mettre, voilà, et puis eh ben, à l'intérieur, le petit texte. Donc, je valide, comme je disais, la découpe est nickel pour la pochette, voilà. L'embossage est nickel également, il n'y a pas eu de problème. Donc, voilà. Donc, je vous remets, comme j'ai dit tout à l'heure, en barre d'infos, je vous mets le lien de tout ce que je vous ai présenté au début de la vidéo. Je vous remets le lien de la boutique et le code promo qui vous permet de bénéficier de 15% de remise sur votre commande si vous commandez chez eux, bien sûr. Là, je vais vous laisser pour aujourd'hui. On refera d'autres vidéos donc avec les produits que j'ai eus par cette boutique, hein, Inlovearts, que je vous rappelle, qui m'ont gentiment offert pour ce partenariat. Et on se retrouve donc très rapidement pour de nouvelles vidéos, voilà, et de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.